Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du 11 avril 2020 de Nouvelles du Haut-du-Lac. En manchette cette semaine, Dolbeau-Mistassini réclame la présence d'une clinique de dépistage de la COVID-19 pour le Centre de santé Maria-Chapdelaine. 3 mois de congés d'intérêt sur les deuxièmes versements de taxes municipales et Maria-Chapdelaine maintient une vigie pour assurer la survie des PME dans son secteur. Dolbeau-Mistassini réclame la présence d'une clinique de dépistage de la COVID-19 pour le Centre de santé Maria-Chapdelaine. Depuis maintenant 3 semaines, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est desservie par 3 cliniques de dépistage de la COVID-19, soit à Chicoutimi, à Alma et à Robertval. Pour le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, les gens qui veulent passer des tests pour la COVID-19 doivent se rendre sur rendez-vous à l'hôpital de Robertval. Le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, et le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard, réclament intensément la présence d'une telle clinique au centre hospitalier de Dolbeau-Mistassini afin de desservir adéquatement la population de tout le secteur. De plus, Dolbeau-Mistassini a obtenu un aménagement concernant les services d'obstétrique auprès du CIUS, après que le CIUS ait arrêté la desserte de ce service au centre hospitalier. En séance publique du conseil municipal tenue lundi dernier, le maire Pascal Cloutier s'est exprimé ainsi sur les services offerts par le CIUS au centre hospitalier de Dolbeau-Mistassini et rappelé les démarches entreprises pour que le secteur soit desservi par une clinique de dépistage. Dès le départ, la première journée où on a annoncé une clinique, là, les 3 cliniques dans la région, j'ai vu que Dolbeau-Mistassini n'était pas là et dès le départ, j'ai intervenu. Encore une fois, j'ai eu une discussion avec le CIUS la semaine dernière, en même temps qu'on parlait aussi. Vous savez, il y a eu une fermeture qui a été annoncée au niveau d'autres services, au niveau de l'hôpital, l'obstétrique, entre autres. Ça, en tout cas, je peux vous dire que suite à différentes communications que j'ai eues avec eux, il y a quand même une équipe d'urgence qui est disponible ici. Donc, s'il y a des problématiques, des cas où vraiment là, ça demande une intervention rapide, il y a une équipe d'urgence qui est disponible. Au niveau de la clinique, je n'ai pas eu de réponse officielle encore. Mais c'est une situation qu'on suit de près parce que ce qu'on veut, c'est que les gens qu'il y ait des tests qui se font puis le maximum de tests. Donc, le fait, vous savez que dans le coin, on a quand même des grosses résidents de personnes âgées. On veut protéger nos personnes âgées au maximum. Donc, on pense que ça serait très tout à fait normal là, dans le haut du lac. Là. Puis si on considère aussi tout le côté problématique aussi de déplacement et ainsi de suite, d'avoir une clinique ici. À Dolbeau-Mistassini, je pense que ça serait tout à fait normal, mais on n'a pas eu de réponse officielle encore là-dessus au moment où je vous parle présentement. 3 mois de congés d'intérêt pour le deuxième versement de taxes municipales. Les contribuables d'Aulnemissois qui ne seront pas en mesure de s'acquitter du paiement de leur deuxième versement de taxes municipales en juillet prochain bénéficieront d'un congé d'intérêt jusqu'au 2 octobre 2020. Cette mesure vise à soutenir les personnes et les entreprises aux prises avec des difficultés financières dues à la pandémie du coronavirus. Concrètement, le conseil municipal abaissera son taux d'intérêt à 0 % pour une période de 3 mois à l'échéance du deuxième versement de taxes municipales prévu pour le 2 juillet. Ce congé d'intérêt s'appliquera également aux droits de mutation immobilier pour la même période. Le choix de la durée du congé d'intérêt a été établi sur des estimations quant à la reprise économique prévue au 4e trimestre, mais pourrait être visée au besoin. Par ailleurs, le service de développement économique de la ville de Dolbeau-Mistassini est à pied d'œuvre pour accompagner les entreprises afin qu'elle maximise l'utilisation des aides prévues
par les différents paliers de gouvernement avec différents partenaires. La ville de Dolbo-Mistassini planche également sur la mise en place d'aides financières ainsi qu'un plan de relance économique après la crise. Maria Chapdelaine maintient une vigie pour assurer la survie des PME dans son secteur. Le confinement décrété par les gouvernements supérieurs affecte grandement la survie des entreprises industrielles et commerciales du secteur, alors que le premier ministre François Legault a prolongé jusqu'au 1er mai le confinement obligatoire dans les entreprises non essentielles. Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, M. Luc Simard, rappelle que le service de développement économique au niveau de la MRC demeure en constante relation avec les dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui ont dû fermer leurs opérations tout en mettant au service des entrepreneurs des programmes d'aide technique et financière pour en assurer la pérennité. En séance publique du Conseil de la MRC, le préfet Luc Simard a ainsi présenté ce qui se fait au niveau de la MRC et a souligné comment la MRC entend venir en aide financière aux entreprises en complémentarité avec les programmes offerts par les gouvernements supérieurs. On a quand même beaucoup de fonds d'investissement, puis on a beaucoup de fonds pour... on a revu nos fonds l'an dernier pour investir dans les entreprises. Puis on a aussi établi un partenariat qui est assez innovateur avec les municipalités. On l'a mentionné, quand les municipalités investissent un montant, puis là, il y a des montants maximum fixés par la loi, mais les municipalités ont quand même des bons leviers là, pour investir en subventions non remboursables dans les entreprises. Nous, on met des montants équivalents que les municipalités mettent dans des entreprises qui sont situées dans leur municipalité. Donc, on regarde ce mécanisme-là, on pourrait peut-être en mettre plus, on pourrait voir là, comment on peut gérer ce programme-là, mais tout est ouvert. En fait, puis on attendait de voir les programmes du gouvernement. Comme là, vous voyez que le fédéral et le provincial ont mis des programmes en place. Donc, je pense que c'est peut-être pas nécessaire de mettre les mêmes types de programmes, mais il faut voir un peu, là, dans reprise, quel va être le besoin réel des entreprises. Puis on va utiliser nos fonds au meilleur escient possible, bien entendu. Puis on a une marge de manœuvre pour aider nos entreprises lors de la reprise, mais il faut l'utiliser d'une façon intelligente. Le Jouvenceau veut rejoindre les ados qui doivent rester chez eux pendant le confinement. Alors que les habitués du Club social Le Jouvenceau ne peuvent se rendre au local en cette période de confinement, la direction et les animateurs et animatrices de la Maison des jeunes offrent un service en ligne afin que des rencontres virtuelles se tiennent. Le coordonnateur de la Maison des jeunes, Alexandre Boudreau, explique comment fonctionne ce service. On s'est rendu compte que les jeunes sont beaucoup sur les internets, les réseaux sociaux. Fait qu'on s'est dit, bon, il faut qu'on se trouve un moyen d'aller les chercher, d'aller leur parler. Parce qu'en confinement, oui, on est conscient que les adultes, les parents trouvent ça difficile. Mais il ne faut pas oublier que les jeunes et les adolescents, eux aussi, trouvent ça difficile. Tu sais, leur plus grande préoccupation à cet âge-là, c'est surtout leurs amis. Puis là, ben, en étant confiné, on ne peut pas vraiment les voir. Puis pour certains, même la plupart de nos jeunes, la Maison des jeunes, c'était vraiment leur activité quotidienne. C'était vraiment là. Donc, on a réussi à mener, on s'est dit, bon, est-ce qu'on y va via FaceTime? Est-ce qu'on y va via Zoom? Mais là, Zoom, est-ce que c'était assez prudent avec ce qu'on attendait par là un peu partout? Et qu'on s'était dit, ah, beaucoup de jeunes sont sur Discord. Puis, c'est un programme un peu même principe qu'on peut chatter. On peut chatter en groupe, proposer des jeux en groupe. On peut aussi faire comme du one-one, parler en privé avec des jeunes parce que il y a beaucoup de jeunes aussi qui font de l'anxiété. T'sais, ils s'inquiètent par rapport à leur année scolaire, s'inquiètent vraiment le côté santé, ça va-tu nous toucher, ça va-tu nous pas toucher, avec tout ce qu'ils entendent. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place que tous nos animateurs, animatrices, on s'est fait comme une plage horaire, puis à chaque jour, dans l'après-midi, dans la soirée, il y a du monde qui sont disponibles, puis on parle, on offre des activités. On peut même continuer à faire du Donjon Dragon avec les jeunes. On joue à des jeux, que ce soit Loup-Garou, que ce soit Contact, tu sais, des jeux de société. Fait qu'on... Et tout ça via Internet. Oui, exactement.
Et vous avez quand même pu conserver le contact quand même avec ces jeunes-là et les animateurs et la venue, je suppose, de ce logiciel-là que vous mettez de l'avant va donc permettre de pouvoir conserver un contact. Effectivement, pendant toute l'année, on est beaucoup les oreilles des jeunes. Hein. Les jeunes nous parlent beaucoup. Des fois, ils nous parlent de problèmes. C'est sûr qu'on ne pouvait pas comme arrêter ça là puis reprendre, je ne sais pas, moi, dans 6 mois. Il faut vraiment garder contact. T'sais. OK, ce qui se passe, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça continue? Il y a des jeunes là-dessus mélangés un peu avec de l'anxiété. C'est sûr que ça les stresse. Mais il fallait qu'on garde contact. Il y en a qui viennent à la maison des jeunes que pour être avec les animateurs, les animatrices, leur parler. Leur confier, tu sais, des fois, nous, beaucoup, là, cet âge-là, là, on a de la misère à nommer nos émotions, à les dire, fait que bien, souvent, ben, ce qui se passe, ben, ils ont un bon lien de confiance avec les animateurs, animatrices. La maladie à coronavirus continue de frapper le Québec. Il est primordial de suivre à la lettre les indications de la santé publique. C'est la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous. Il faut absolument freiner le virus. Sortez de la maison seulement si c'est nécessaire. Se protéger, c'est protéger les autres. Des vies sont en jeu. À la maison, en situation de violence conjugale, si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent. Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors contactez votre CLSC ou la ligne Info sociale 811. Parce que penser à son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Mais on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celles de nos cœurs. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Le gouvernement du Québec, par la voix du premier ministre François Legault, lançait en début de semaine le portail Le Panier Bleu, soit un site où l'on retrouve les produits, services offerts par les entreprises québécoises dans le cadre de la relance économique et qui s'inscrit dans une politique d'achat chez nous. Ce panier bleu se veut aussi un moyen pour promouvoir la souveraineté alimentaire au Québec. La télé du Haut-du-Lac a réalisé donc une entrevue avec le président régional de l'UPA, M. Mario Théberge, afin de connaître comment les agriculteurs et agricultrices du Québec pourront répondre à cet objectif de souveraineté alimentaire et quelles difficultés devront être aplanies dans cette volonté de rendre le Québec indépendant quant à nourrir sa population. Monsieur Théberge, le premier ministre du Québec et le ministre de l'Innovation du Québec a lancé en début de semaine une politique québécoise, en fait, d'achat chez nous, qui favorise, qui veut favoriser, lors de la reprise économique, un peu l'achat, donc, chez nous. Au niveau agricole, M. Théberge, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour la région, l'implantation d'une telle politique, et surtout si on la met de l'avant? Ça serait une très, très, très bonne affaire, là, je pèse mes mots, là. Vous savez, le plus bel exemple pour les illustrer, vous savez que je connais des producteurs maraîchers qui, à chaque automne, sont obligés de liquider leurs légumes ou leurs légumes qu'ils produisent tout l'été parce qu'ils en rentrent à gros volume de la Californie à coût moindre. Donc, ils n'ont pas le choix de le liquider pour accoter ces coûts-là. Vous savez, les bannières, les grandes épiceries, les grandes chaînes, les autres, ils vont par cotation puis ils prennent au moins cher. Sauf que ce qu'il faut dire, c'est que la Californie ne produit pas avec les mêmes obligations que nous. Nous, on a des obligations sociales, par exemple au salaire, aux conditions de travail. On a des obligations environnementales. On a des obligations phytosanitaires.
Vous savez, il y a beaucoup de pesticides, des herbicides, des fongicides qui sont appliqués dans les autres pays, que ce soit les États-Unis ou ailleurs, et qui sont carrément interdits ici pour une sécurité alimentaire. Donc, c'est pas, on ne marche pas à armes égales. Et un autre exemple que je pourrais vous donner, la production de bleuets. Vous savez, les bleuets, ça nous ressemble pas mal, nous. Et des producteurs qui sont allés visiter dans le Maine une bleuetière il y a quelques années. Ils sont arrivés dans une bleuetière qui avait une belle production. C'était super beau à voir. Sauf que le guide leur avait demandé, avant d'entrer dans le bleuet, dans le champ, vous n'avez pas le droit d'en manger un seul. Puis là, les producteurs ont demandé pourquoi. Mais ils disent parce qu'on vient de faire une application, puis ils disent ils ne sont pas comestibles tout de suite. Fait que nous, lors d'une année de production, vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'il n'y a aucun pesticide qui est appliqué sur une production de bleuets. Fait que quand on sait que les bleuets du Maine, je l'ai déjà acheté une fois là, à Québec là, pour les goûter, pas pour rien qu'ils sont gros comme le pouce. Là. Ils sont gros, là. Puis ils ne goûtent rien. Mais on ne parle pas, puis ils n'ont pas les mêmes rendements. Donc, on produit des denrées qui se compétitionnent sur le même marché. Sauf qu'on ne parle pas de la même réalité. C'est d'ailleurs, on a déjà eu en 2013, le gouvernement du Québec avait mis de l'avant une politique justement qui consistait à s'autosuffire au niveau agricole au Québec. On sait que bon, ça n'a pas été remis de l'avant par les gouvernements ultérieurs. Vous voyez ça comment? Vous, l'implantation d'une telle politique, est-ce qu'on est en mesure dès à présent de mettre ça de l'avant? Qu'est-ce que ça prend pour qu'on puisse être en mesure de... Est-ce que c'est simplement d'arrêter les producteurs californiens de venir déverser leur stock? Ou si c'est, il y a quoi comme action qui peuvent être entreprises là-dessus? Bien, j'aime bien votre question, ça fait des années qu'on le dit à l'UPA, qu'on parle de cette réalité-là. Politique agricole, le gouvernement, vous savez comment ça marche? Ça marche avec l'opinion du consommateur. Il y a des études qui ont été faites dernièrement, et ça démontre clairement qu'au Québec, en tout cas, il y a 8 consommateurs sur 10 que leur premier critère, quand ils vont acheter des produits agricoles à l'épicerie, c'est le prix. Donc, pour un prix moins, ils vont choisir tel produit. Peu importe si ça vient de la Nouvelle-Zélande, emballée sous vide, quand on parle de viande, ou que ça vient de viande, mais la situation économique fait que les producteurs n'ont peut-être pas le choix non plus, là, avec toutes les contraintes qu'on a au niveau économique. Mais force est de constater que dans une crise comme on vit là, je ne serais peut-être pas surpris que personne ne sait combien de temps va durer. Combien de temps on va être peut-être restreint de certaines denrées. Vous savez, le consommateur ne va jamais manquer de rien au Québec. Mais le jour où, les gens ils ont commencé à avoir peur, il y a 2 semaines, d'avoir manqué de papier toilette. Vous avez vu la folie, on ne parle rien de papier de toilette. Là. Imagine si on commence à manquer de produits agricoles. C'est un bien nécessaire pour s'alimenter, c'est un besoin vital de se nourrir. Et le jour où le consommateur dira, regarde, j'espère qu'au terme de la crise, là, mettons cet été là, ou quelque part dans ce temps-là, si au lieu d'avoir 2 consommateurs sur 10 qui regardent la qualité, on avait 8 sur 10, ça changerait. Puis le prix serait, ben, je pense que ça irait dans un sens de cohésion. Ça fait que je pense que la société peut évoluer plus vite qu'on pense. Est-ce que ça prenait une crise de ce genre-là pour faire comprendre des choses aussi élémentaires que ça, ou plutôt aussi importantes que ça? Tu es en train de commencer à me poser des questions. Vous pariez donc un peu que la population va prendre conscience davantage que la question de l'achat chez nous. C'est pas qu'une question de prix, c'est une question de santé. Bien, c'est, quand on parle de la souveraineté alimentaire, c'est de plus en plus populaire. Il y a des personnes populaires, encore en fin de semaine, M. Jean-Luc Mongrain, il devient à l'actualité, puis il a fait sa page Facebook, un beau témoignage, puis il dit exactement ce que je viens de vous dire là, la sécurité alimentaire, ça va commencer par chez nous. Puis quand on l'aura compris, bien, au lieu de magasiner pour 5 cents de rabais, là, ben, on va encourager ce qu'il y a là, on sera autosuffisant. Puis une autre chose que je peux vous garantir, qui s'est démontré scientifiquement,
c'est que dans 30 ans, je ne sais pas qui de nous va être encore là, mais quand même, ça arrive vite, 30 ans. Là. Puis, on devrait... C'est démontré scientifiquement que la Terre ne pourra pas nourrir les 10 milliards de populations qu'on va être sur la planète. En plus, que les superficies cultivables vont probablement diminuer par les sécheresses qui s'étendent du sud vers le nord. Donc, vous savez, les leaders du gouvernement, c'est supposé d'être des visionnaires. Puis quand on sait des choses qui sont prouvées scientifiquement même, pourquoi ne pas investir dans l'agroalimentaire pour être autosuffisant chez nous? C'est une sécurité. Il y a un sage qui avait dit qu'on ne reconnaît pas la force d'un pays par son armée, mais par son agriculture. Je trouve ça sage, ça. Je trouve ça logique aussi. Donc, est-ce que les gouvernements sont prêts à investir pour donner des infrastructures dans l'agroalimentaire pour être Bien, la souveraineté alimentaire, ça en dit long. C'est ça quoi, qui est important. Puis, je pense que ça commence à faire du chemin. Puis on l'entend de plus en plus par nos présidents, nos représentants du gouvernement, que l'agroalimentaire est important. Bien, si ça va dans le sens, bien, peut-être bien qu'on peut faire des pas dans ce sens-là. Bien important. Est-ce qu'actuellement, si on regarde les productions agricoles au Québec, est-ce que on possède, c'est sûr qu'on ne fera pas pousser une banane ici là, au Québec, c'est pas dans ce sens-là ma question, mais est-ce que nous avons, avec ce qui se passe actuellement, une base pour assurer cette souveraineté alimentaire au Québec? Est-ce que dans l'ensemble de tout ce qui se produit au niveau agricole, on est en mesure de dire, oui, on serait capable, avec ce que nous avons, de pouvoir alimenter le Québec? Bien, la majorité des produits qui est possible techniquement de produire ici, on n'a rien qu'à le développer avec des aides gouvernementales. Vous savez, je viens juste de lire sur un témoignage tantôt, les réseaux sociaux, ça va vite, hein? Il y a quelqu'un qui disait que si on avait l'aide de l'Hydro-Québec pour les productions en serre, mais des légumes, là, on en produirait à l'année. Mais ça prend une aide financière de l'Hydro-Québec parce que les serres ici, il faut les chauffer. Puis c'est des infrastructures quand même, là, c'est, regarde, faut. Ça prend un appui gouvernemental. Et ce qu'on constate à l'UPA, ce que moi, en tout cas, personnellement, je constate, c'est qu'on ne sait plus combien de centaines de milliards on est rendu à avoir mis collectivement par les décisions des gouvernements pour le soutien des populations, des consommateurs partout. Sauf que je n'ai pas entendu beaucoup de soutien par rapport aux entreprises agricoles, puis on fait partie des priorités. Oui. On fait partie des services essentiels. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que nous, les producteurs, on continue à... Vous savez, les PME qui ont plus de 25% de baisse de revenus sont admissibles à des aides. Sauf que les producteurs agricoles, nous, là, moi, je suis un producteur de lait. Mes ventes de lait n'ont pas diminué, mais à mon état, bien, je produis pareil. Je ne suis pas admissible à ça, puis on fait partie des secteurs essentiels. Il faut continuer à payer nos employés. On n'est pas admissible tout court aux programmes qui ont été mis en place. Probablement qu'ils vont me dire, ils me répondraient, « Ah, vous êtes entre les mailles qu'on n'a pas pensé. » Alors, il faudrait être cohérent. Là. Secteur essentiel, mais on ne compte pas dans aucun programme. Puis, il faudrait que ça... Regarde, c'est ça. Ça va prendre un soutien vraiment tangible. Puis, au niveau... on ne quitte pas, là. C'est que ça donne le moyen de développer des infrastructures qui vont rapporter à toute la collectivité. Regarde, c'est vendu le gagnant-gagnant. Là. Il n'y a pas de valeur plus sûre que ça. En plus, un producteur, quand il y a une scène de subvention, il n'en place pas des paradis fiscaux. Il l'investit. Puis ça fait des petits, puis c'est bon pour l'économie. C'est pas comme les grandes entreprises, des fois, qu'il y a des paradis fiscaux. Ils n'ont pas mis ça en place pour les agriculteurs, ça, ces affaires-là. En terminant, M. Théberge, je regarde, je vois, on sait qu'on a signé un nouvel ALENA. On sait que, bon, qu'est-ce qui s'était passé, entre autres, pour les producteurs laitiers. Ce type d'entente-là, là, lorsqu'on parle d'une souveraineté alimentaire. Il y a des compagnies d'automobiles, de construction qui ont fermé en Ontario. L'aluminium, ils marchent sur des œufs encore. C'était supposé être bénéfique tout le monde, mais c'est qui a fait les frais de cet échange-là, de cette game-là, c'est les producteurs agricoles. On a perdu 8% de nos revenus. Il ne fallait pas dire un mot. 8%, c'est un mois de production qui est produit à zéro revenu, avec les mêmes frais.
Trouvez-moi un secteur dans l'économie qui accepterait ça sans soulever de bout. Ben, tout, on vit avec. Fait que, comme secteur essentiel, je pense qu'on aurait des choses à. Moi, en tout cas, c'est sûr, si je rencontrerais M. Trudeau, là, je pense que j'aurais une bonne discussion à essayer d'y faire comprendre. Je pense qu'il serait mal pris des questions. Parce qu'il faudrait que les bottines suivent les badmines. Tu sais, là, c'est l'expression qu'on dit. C'est pas cohérent dans les faits par rapport à ce qu'on dit. Est-ce que l'annonce de cette semaine, là, je parle entre autres panier bleu, ces choses-là, est-ce que pour vous, ça représente quand même un pas vers la bonne direction quand on parle de la souveraineté alimentaire au Québec? Effectivement, il va falloir qu'il y ait des gestes qui suivent à ça, des priorités que, vous savez, l'agriculture, je pense qu'on a été pris comme acquis. Vous savez, l'agriculture était là encore hier, était là hier, est toujours là aujourd'hui, puis elle est là demain. Et c'est le seul secteur de l'économie qui a traversé toutes les crises depuis la colonisation. Une mine, là, quand les prix baissent, ça chute, ça ferme. Une chope de peu importe, si ça c'est plus rentable, ça ferme. Mais les gouvernements ont pris l'agriculture comme acquis. C'est ça le problème. On est à l'autre, de toute façon, même si je vends mes terres, l'autre va acheter, puis ça va continuer à produire. Sauf que c'est plus délicat que ça, c'est plus fragile que ça. Faudrait pas produire pour produire, faudrait produire pour arriver à en sortir collectivement gagnant, avec un revenu équitable pour tout le monde, autant le producteur que le consommateur. Donc, c'est la formule gagnant-gagnant, puis ça, il va falloir qu'on achemine. Il y a des décisions qu'il va falloir qu'ils se prennent dans ce sens-là. Je pense que ça sent bon pour cette avenue-là, mais tout est à jouer encore. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à l'édition du 11 avril 2020 de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre résumé de l'information locale.